Yasmine, nous allons marquer une pause. Non, ça va, tu peux t'asseoir. D'accord. Nous allons marquer une pause, mesdames et messieurs, et cette fois-ci, nous allons accueillir notre coach en images et surtout comportement qui viendra ici nous dire comment nous comporter, quel type d'habits nous pouvons porter, à quelle occasion. Accueillez avec moi, s'il vous plaît, Samy. Bonsoir, Samy. Bonsoir, Adam. Ça va, la forme? Tranquille, bien, merci. Et toi-même? Très bien. Samy, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons parler des accessoires. Accessoires? Oui. Qu'est-ce qu'un accessoire? Voyez-vous, les accessoires, ce sont ces éléments qui apportent plus d'allure et plus de goût à notre style. OK. Ouais. Alors, c'est quoi les différents types d'accessoires, si on pourra un peu les partager? Déjà, il y a plusieurs types d'accessoires. Mais il y en a certains qui vendent plus notre image et qui nous mettent plus en valeur. Par exemple, le parfum. Le parfum, déjà, qui augmente notre charisme et qui nous donne encore plus de charme. Vous avez également la chaussure. Voyez-vous, Adam, la chaussure est un accessoire incontournable à notre style. C'est ce qui apporte plus de lumière et plus d'allure à notre style. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre la peine de bien les nettoyer. Elles doivent toujours être propres parce que de par sa qualité, c'est ça qui renvoie toute la lumière à notre style. Il y en a quoi également? Vous avez la montre. La montre, c'est un accessoire qui a une touche d'élégance et une touche de finesse qui vient renforcer aussi notre style. Vous avez également les bijoux. Dans les bijoux, on peut avoir plusieurs types de bijoux. On peut avoir des bracelets, on peut avoir les colliers, on peut avoir des perles. Les bagues. Voilà, les bagues, etc. Tout cela, ce sont des éléments qui donnent une harmonie et qui donnent plus de goût et de style à notre tenue. D'accord. Voilà. Pour faire rapidement, peut-être après, si on aura d'autres questions. Alors, toi, tu portes quel type d'accessoires aujourd'hui? Voyez-vous, aujourd'hui, déjà, j'ai pris une paire de baskets qui a à la fois comme un soulier et qui peut se porter avec un costume, avec une paire de jeans et qui est assortie avec mon équipe, qui donne de la lumière à mon style. J'ai cette montre également qui est aussi assortie à mes différentes tenues. Voilà. J'ai quoi d'autre? J'ai cette perle-là. C'est quoi? C'est royal, ça? Justement, vous voyez, j'ai l'air d'un prince, n'est-ce pas? Voilà. C'est par rapport... Vous voyez, c'est ça l'importance des accessoires. Cet accessoire me donne l'allure d'un prince aujourd'hui. J'ai ce chapeau aussi, qui est aussi un signe royal. Voyez-vous, Adam, vous allez peut-être vous demander, j'ai un sac à main. Oui, pourquoi le sac? Mais c'est pas un homme. Voilà. D'aucuns vont penser que c'est un sac à main. Mais ce n'est pas un sac à main, c'est une pochette qui me permet d'éviter les gonflements de poche. Avec cette pochette, j'évite là d'avoir des gonflements de poche. Là, je peux mettre mon téléphone à l'intérieur. Là, j'ai mon téléphone qui est là à l'intérieur. Power bank. Voilà, je peux avoir mon power bank. Et justement, à cette période, il n'y a pas trop d'électricité. J'ai mon chargeur qui est là. Voilà. Carrément. Et à tout moment, je peux me faire une autre touche pour une petite senteur encore. Je me réallume un peu, une petite senteur rapidement. Voilà, ça c'est avec ma pochette. Et je peux, en un clin d'œil, changer le style. Rapidement, j'ai ce nouveau look. Voilà, tout ça. C'est ça, le rôle de ma pochette. Quelqu'un veut parler, veut dire quelque chose, c'est bon? Samy, tu es très bien habillé. Merci beaucoup pour ce séance et ces conseils. J'espère qu'on a retenu quelque chose. Je vous en prie. On l'accompagne.